Bonjour mes amis, bienvenue dans cette troisième partie de ma collection. Bon, je les gigantesque tout ce qui est un peu culture japonais, mais je vous fais petit à petit, donc je vous montre. Voici les quelques mangas de Dragon Ball, notamment les tout nouveaux qui sont sortis il y a quelques années, je crois en 2018 ou 2019. Donc je les ai lus ceux-là. Bon, j'aurais du mal à tous les collectionner, mais déjà pas mal. Donc voilà. J'ai également. Attendez, s'il vous plaît. Les anciennes. J'ai les anciennes. Et deux films Dragon Ball. Donc là, j'ai celui-là. Donc là, on a Freezer qui combat contre Nen. Parce que c'est mon personnage préféré, comme je vous ai fait la vidéo de mon personnage. J'ai cela, donc là, Goku en super guerrier, qui affronte Freezer Final Form et musclé, jusqu'à Trunks du futur qui combat Mika Freezer et Cool, le roi Cold. Donc, fin de saga de Freezer et début de saga des cyborgs. Donc, Dr. Gero et C-19. Donc là, le réveil de C-17 et C-18. J'ai également une partie de Cell. Bon, Cell au début comme ça, j'aime bien cette forme-là parce que ça fait penser à un espèce d'alien. Alien reptilien. Donc là, celle qui a pris l'ADN de Freezer, Cooler, Goku, Vegeta, Piccolo, qui fera plus tard sa forme « Je suis le parfait, je suis beau, tout ça ». Mais Freezer n'a pas besoin de deux cyborgs pour terminer sa transformation. Donc, pour moi, numéro 1, le méchant, c'est Freezer. Et celui-là. Donc, celle qui absorbe C-17 et C-18. Et qui a atteint sa forme parfaite, et que dans la série ZK qui mentionnera toujours ma forme, ma transformation ultime, ma forme parfaite et tout ça, c'est bon, tu vas pas répéter ça 100 fois. Et j'ai deux livres de films, ces deux-là, donc La Revanche de Couleur et 100 000 guerriers de métal, mes deux films préférés. Donc là, c'est le film et en mode manga. En tout cas, je m'ennuie pas. Je suis bien régalé en regardant ça. J'avais vu sur Canal Plus à la demande. Et j'avoue, c'est une tuerie. J'avoue, surtout ces deux-là, ce sont mes films préférés. J'ai regardé toujours à la demande. Alors, surtout que Beta Couleur est vraiment un look unique, quoi. J'adore. Donc, c'est la fin de cette vidéo de collection partie 3. Je ferai la partie 4. Encore des bouquins. Et je vous ferai bientôt ma collection DVD, que j'en dis pas mal, tout ce qui est par rapport à la culture japonaise. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous dis au revoir.